Bonjour à tous, c'est Electricorp. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Red Shadow Legends. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais ouvert, je pense, c'est qu'ils mettent 30 cristaux bleus des éclats antiques. Là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai seulement 19, mais je pense qu'on va l'ouvrir parce qu'il y a quand même la chance x2. Si on va voir ici, j'ai 1% de chance d'avoir un légendaire au lieu de 0,5%. Je crois pas que je vais avoir de légendaire. Je pense que la dernière fois que j'en avais eu un, j'avais été très chanceux. En tout cas, on a plus de chances d'avoir des pics. Okay. Donc, on va voir ce que ça donne. Si je suis chanceux, je vais en avoir un. J'espère vraiment en avoir un. Il reste 6 heures. C'est pour ça que je décide de faire une vidéo. Il reste 6 heures avant que ça termine. Donc, on va faire une vidéo. On va voir ce que ça donne. Donc, on va y aller. Donc, le premier. C'est une rare, donc ça commence pas trop bien. C'est une barbare. Marquée. Ok. Donc, on va en enlever un autre. Encore un rare. Ça commence mal. Deux rares, pas d'épique, pas de légende. Un légendaire. Donc on a le râleur. Encore rare, la tentatrice. Ok. Ah, je vais pouvoir monter. J'en ai l'autre esprit, je l'ai. Et je vais pouvoir la monter RACL. Donc, je vais l'utiliser. Oh! Un épique, enfin. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Mire en fer. Je crois que je ne l'ai pas. Donc, ça va me faire une nouvelle. Ça va t'avoir ce qu'elle peut faire. Ok? Je la connais pas. Donc, on va voir plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh! Un légendaire! Wow! Enfin! La dernière fois, j'en avais une trentaine, puis j'ai pas réussi à avoir un légendaire, et là, je vais me chercher un légendaire, j'en reviens pas. Wow! Wow! Ça fait juste. Oh, j'ai bien fait de faire une vidéo là-dessus, ou ce soir, j'avais décidé de faire ça, parce qu'il restait juste 6 heures, je me suis dit, même si j'en ai juste 19, j'avais 19 éclats, et regardez, il reste encore 13 éclats à ouvrir. Et je vais chercher Gurptuk, leur barbe mousse. Wow! Et oh, il y a un visage dans le dos. C'est la tribu Ogryn. Oh, j'en ai pas beaucoup de ça. Donc, oh, intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Les attaques normales. Attaque deux fois un ennemi. Place pendant un tour un buff de soins continu de 15% sur tous les alliés. Wow, ça c'est parfait. Ça va être parfait. En plus, on a un aura. Augmente la résistance des alliés lors de toutes les batailles de 50. Ok, c'est très bien. Ça va aider beaucoup. Je pourrais, autrement dit, l'utiliser comme premier guerrier et me faire une équipe avec lui si je voudrais. On a une compétence, la bénédiction druidique. Ok, c'est un peu comme un druide. Retire tous les debuffs, sauf les debuffs poison d'un allié, puis les soigne de 30% de ses points de vie max avant de placer sur la cible un buff de bouclier de 2 tours équivalent à 20% de ses points de vie max. Quand même, c'est bon. Ça prendrait des guerriers qui ont beaucoup de points de vie. Ça pourrait être très bien. Donc, qui se battrait avec lui. Nuage de sport. Place 3 debuffs poison de 2,5% sur tous les alliés. Pendant 3 tours, il est impossible de résister à ces debuffs ou de les bloquer. Sur tous les alliés. C'est bizarre. C'est un debuff sur tous les alliés. Possède également 80% des chances de placer un debuff de blocage de buff de 2 tours sur tous les ennemis. Ok. Donc, ça doit être plus les ennemis. Je comprends pas les alliés ici, là. Ensuite, on a. Un qui est bloqué, mais qu'il faut que. Ouais, faut que je monte le guerrier, là. Les alliés affligés de debuff poison infligent 7,5 de dégâts supplémentaires pour chaque debuff poison dont ils souffrent, s'additionnant jusqu'au maximum de 30%. Cette augmentation de dégâts s'applique à toutes leurs compétences. Peut-être pour ça, c'est peut-être vraiment aux alliés.
augmente également de 15 la résistance de chaque allié pour chaque debuff poison dont il s'est affligé. Quand même, c'est intéressant. C'est un guerrier de soutien. Hein? C'est, j'aurais mis un défense ou point de vie. Là. Mais quand même, ça va être à voir de l'essayer. Donc, on était chez au moins un légendaire. Puis au moins ça. On a eu un autre. Un épique. Oh, wow, il est pas pire. Le clan de l'ombre, il t'a tout qu'un masque. Et c'est un défensif en plus. C'est quoi son arme? On dirait, ok, une lance. C'est une lance. Ok. Je le connais pas du tout. Je sais pas si c'est Ostatsu. Je sais pas s'il est bon. Un autre élémentaire. Ah oui, oh. Ah, je l'ai. Ranger Macabre, ok, je l'ai eu. Je l'ai dormi. Ah, je l'ai aussi, c'est l'héritière, je l'ai. Beaucoup de rares. Spécialisé pour l'attaque, forge à carreaux. Je sais pas si je l'ai, je sais pas. Un autre rare. Manche chère. Oh wow, un manche chère. J'en ai entendu parler, c'est-tu lui que je pense? J'en ai pas la moindre idée. J'avais pris des notes autrefois. Je sais pas. Non, je pense que c'est pas lui. Je suis pas certain. Je vais mettre suppose, je vais checker dans mes notes.